Hello tout le monde, c'est Lexi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera des Sims. Alors pourquoi je vous fais une vidéo sur les Sims comme ça? Alors déjà parce qu'il y a eu deux nouveaux packs qui sont sortis. Un pack que on m'a offert, enfin que Sharon m'a offert, le pack détente au spa que vous pouvez voir ici. Et j'ai acheté aussi le pack juste avant, normalement. Non, ça c'est le prochain qui arrive. Et voilà, le kit d'objets cuisine où on peut faire des glaces. Bon bien sûr il n'y a pas que ça, nouvelle tenue, nouvelle coiffure comme vous pouvez le voir, enfin voilà, beaucoup de nouveautés, aussi au niveau des meubles. La prochaine extension qui coûte 40€ et qui sortira en novembre, c'est le pack d'extension Vivre Ensemble, où il y aura des endroits pour faire des fêtes branchées, devenir DJ, nouvelle chorégraphie, on pourra même jongler avec du feu, beaucoup de nouveautés. Et deux nouveautés qui me font beaucoup rire, on pourra faire crac crac dans un placard, et dans des buissons. Voilà. Écoutez, ça va être assez sympa. Un peu chaud lapin, et voilà. Alors je me permets aussi de faire cette vidéo parce que demain, le 26, je me fais opérer des dents de sagesse. Et donc du coup, pendant un petit moment, je pense que j'aurai des jours de hamster. Et ça me va mettre un peu de temps à, comment dire, à se dégonfler peut-être, ou peut-être que j'aurai de la chance et qu'en deux jours ce sera fini. Mais j'ai pas envie que vous m'entendiez en train de faire voilà. Donc, on va commencer tout de suite une nouvelle vidéo, tant que je ne zappe pas du tout. Alors, on va pas aller voir Lexi comme d'habitude. Là, je vous invite à découvrir la famille Garnier. Oui, Garnier, prends soin de toi. Alors, les deux personnes blondes que vous voyez en bas, ce sont des faux jumeaux. Et le jeune homme a trouvé une compagne qui s'appelle... comment elle s'appelle? Katrina Caliente. Elle fait partie d'une famille qui est déjà créée dans les Sims. Bon, je l'ai un peu refaite. Enfin, refaite. Je l'ai, comment dire, habillée mieux. Enfin, parce que j'aimais pas trop son style. Alors, pourquoi je vous emmène dans cette famille? Tout d'abord, parce que c'est la première famille avec qui j'ai testé le nouveau pack d'extension cuisine. Enfin, le kit d'objets cuisine, pardon, parce qu'un pack d'extension aussi, c'est autre chose. Et aussi parce que j'ai installé un peu de zénitude dans leur monde, donc il y a les deux packs mélangés en un, ce qui n'est pas négligeable. Alors petite présentation vite faite de la maison. Bon, voici une maison que j'ai téléchargée en fait sur la galerie, je ne suis pas trop embêtée. Seule modification que j'ai faite, c'est la boîte à lettres, les deux trucs là et le pot de fleurs. Voilà. Sinon elle était de base, maison assez sympathique. Ah oui, la porte d'entrée était là, j'ai modifié, voilà. Voilà les seules modifications que je peux vous donner. Alors, par contre... Ah oui, modification aussi, j'ai fait un sous-sol. Parce que c'est vrai que c'était petit. Normalement, c'était ça, c'est censé être une chambre. Là, la salle de bain. Et ça, cuisine et salon. Je trouvais ça un peu l'age. Du coup, hop, j'ai créé un souterrain. On voit tout de suite que c'est moi qui l'ai créé. Hein, ça n'a pas du tout le même style. Alors, petite visite... Dans le pack Zen, vous avez un magnifique aquarium. Alors au départ, l'aquarium est vide. C'est à vous de choisir quel poisson vous voulez mettre. J'ai mis deux discus, deux poissons rouges exotiques et ces deux poissons, je ne sais plus le nom. Voilà. Il y a deux types d'aquariums différents, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Alors... Bon, là il y a des nouveautés, mais je sais pas si on verra bien. Oh, avons-nous des nouveautés? Voilà, on a un pouf paisible et un petit tabouret solitaire. Alors ces deux, vous voyez, la petite fleur de lotus qui apparaît, c'est le pack Zen. On a aussi ces fauteuils que j'ai dans mon salon. Ce siège pour masser les mains et les pieds. Et oui. Donc ça, c'est nouveau. Il y a cette chaise aussi. Dans le pack de glace, on a ces chaises hyper colorées. Qui sont super mignonnes, je trouve. Ensuite, qu'avons-nous là? Là, rien d'intéressant. Là, nous avons le canapé Zen. Répit du postérieur. Je mets des noms, c'est très classe. En lit, on n'a rien eu. Ici, rien du tout. Alors, un tabouret de bar. Le pourquoi ça sort là-dessus? Alors, c'est un bloc, absolument. Voilà, aussi c'est un banc. Et ça, c'est la table de massage. Et la table tabouret de bar est assortie aux chaises que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est tout ce qui est confort, surface, qu'avons-nous? La table boisson verte, mais c'est annoncé dans le pack de travail. Est-ce qu'on a une table? Oui.
la merveille moderne et nous avons la table sûrement un géant. Très bien. C'est très bizarre. Les noms qui choisissent. Ensuite, on a la table spécialisée niveau riche. Ça, c'est tu vois, ça, j'ai vu. La table la creuse. Ça, qui est pas mal. Des cachettes des recettes. Moi, je l'ai mis perso dans les chambres. En guéridon. Voilà. Et aussi ce cube, qui est plutôt pas mal. J'en étais où ? Les étagères, on n'en a pas de nouvelles. Bureau, rien de nouveau. En cuisine, nous avons les nouveaux îlots. Alors, les plans de travail que vous avez, que j'ai déjà installés dans ma cuisine. Donc bien sûr, vous avez le haut. Hein. Mes versions glace. Ah ben oui, les versions glace, voilà. Donc ça c'est zen et ça c'est glace, voilà. Moi j'ai les glaces, voilà. Donc bien sûr, vous avez le compartiment qui va en haut avec. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Ce c'est pas du même kit. Voilà. Pour la surface, on a fait. Plomberie, on a des trucs zen. On a aussi l'évier glace, mais bon, je vois pas tellement à quoi il sert. Les toilettes zen. On a la douche qui va avec, que vous retrouverez au spa, que vous pouvez installer. La baignoire. Donc c'est une baignoire normale. Et cette baignoire, dedans, on peut faire des bains aux agrumes, des bains au lait d'amandes, enfin des trucs assez incroyables, qui est plutôt pas mal. Ok, activité récompense. Alors nous avons le tabouret de méditation, qui est là, votre Sims médite dessus. Nous avons les tapis de yoga, et quand vous les posez, ça fait de magnifiques petits tapis, regardez, hop, de sol, qui est plutôt pas mal, on peut mettre dans son inventaire. Donc voilà ce que nous avons. Musique, on n'a rien de nouveau. Ah si, un bar. Voilà, si ça vous intéresse. On a le sauna, où on peut faire crac-crac dedans. Voilà. L'aquarium. Et ça c'est l'aquarium que j'ai, mais il y a mon cher, celui-ci. Et après, en sport, vous avez les accessoires. C'est les mêmes, mais versions plus zen, voilà. Je vois pas tellement de différence. Pour, voilà, on peut boire aussi des boissons de luxe. Alors ça, ça déstresse vos Sims, c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc voilà, en déco, bon bah je vous en passe, hein. Il y a des cailloux, il y a de tout. Des stickers muraux, des miroirs qui s'illuminent derrière. On a de tout. De tout, de tout. Regardez, gardien du savon, huile, crème, harmonie, enfin... tout pour que vos Sims soient vraiment relax, quoi. Pour la petite info, par exemple, j'ai mis ces pierres, voilà, ça. La radio aussi fait partie du pack. J'ai même le brûle-encens. On peut vraiment brûler de l'encens. Ça, ça fait partie du pack zen. Ensuite, de ce que j'ai de la cuisine, ça, ça fait partie du nouveau pack kit de cuisine. Donc, range-assiette. L'apparition du lave-vaisselle. Révolution, hein. La sorbetière, nouveau frigo, nouvelle gazinière. Ça, c'est un luminaire, ce n'est pas une hotte. Attention. Étagère toute faite, voilà, qui est prise. Des livres de recettes. Et le nouveau lavabo. Poivre et sel. Les nouvelles chaises, voilà. Ça, ça fait... Toute la cuisine, en fait, est pratiquement 100% kit de cuisine, mis à part le petit détail, le torchon, enfin, voilà, que j'ai mis là. Ensuite, ça, c'est le pack zen. Les coussins, c'est un add-on que j'ai... Enfin, c'est un téléchargement que j'ai fait, donc vous les trouverez pas. Ça, ça fait partie du nouveau pack zen, sauf la table qui n'en fait pas partie. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai téléchargé. Et la télé, bon, que vous connaissez déjà. Voilà, ça, ça fait partie du pack cuisine. Ça, vous l'avez, ça, vous l'avez. Zen, on descend. Pouic ! Table qui veut, enfin pas la table, pardon, les chaises qui sont avec la cuisine, donc ça les nouveaux trucs, pack zen, sauf ça c'est téléchargé, zen, nouveau pack téléchargé, le miroir, voilà, zen, le sol qui s'illumine à bleu et blanc, ça c'est dans le pack de luxe, voilà, excusez-moi je trouvais plus le nom, voilà, donc ça c'est pareil, glace, zen, on arrive un peu au mauvais moment, bonjour madame. Voyez voilou. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Pour ce qui est de la présentation. Est-ce que j'ai une Sims qui se sent bien? Pas tellement. Bon, tu prends ta douche, tu vas manger. Alors, vos Sims. Alors, vous pouvez...
faire des glaces. Ah, par exemple, là, j'ai fait de la pure perfection. C'est le nom de la glace. Hein. Écoutez, je ne me vante pas. Vous cliquez sur la serviette. Et vous avez toutes les recettes qui s'affichent. Bon, moi, j'ai augmenté un peu mon niveau. On a tout ça à faire. Voilà. Il y en a des pas mal, hein, sinon. Mais qui sont assez chers, hein. Glace au mocha, quand même. Voilà, donc la prochaine fois, je pense que je vais faire à menthe et pépites de chocolat. Alors, ce que je trouve dommage, personnellement, c'est que quand vous faites une glace, votre Sims, il prépare son truc, c'est mignon, voilà. Il va le mettre dans un pot, un gros pot de glace, genre Häagen-Dazs, pour ne citer qu'une seule marque. Et en fait, il va vous demander, enfin, vous pouvez mettre un nappage et un accompagnement. Par exemple, je vais mettre un nappage caramel et je vais rajouter des vermicelles de couleur. Voilà. Donc du coup, ça va remplir les petits pots, puis chaque Sims qui va venir va prendre une glace, soit sous forme de coupe, donc dans un bol, soit sous forme de cornet, comme une glace qu'on a glace à l'italienne. Donc voilà, c'est le nouveau gameplay qu'on peut avoir. Si vos Sims mangent trop de glace, ils vont avoir un peu mal à la tête. Donc ils vont se plaindre, ils vont souffrir. C'est un peu comme dans une fameuse série, il y en avait un qui se gelait tout le temps le cerveau. Ben, les Sims peuvent se geler le cerveau, donc attention à la glace, et puis ça fait prendre des kilos. Au passage. Donc voilà. Toi tu fais quoi? Tu dors, oui, bien sûr. Bon, je vais lui faire de la glace, je vais vous montrer. Ah mais toi t'as un mauvais niveau. T'es nul en fait toi. Attends Pépette, tu vas faire de la glace. Ouais, puis t'en mangeras en même temps. Toi tu te débrouilles. Voilà. Alors je vais vous montrer le nouveau gameplay. Alors la tenue qu'elle porte, la coiffure, le haut et le bas, et la montre sont des nouveautés. La montre fait partie du pack Zen et tout le reste c'est du pack le pack de cuisine. Sauf les chaussures, c'est quelque chose que j'ai téléchargé. La coiffure du jeune homme aussi fait partie du nouveau pack. Alors par exemple, vous voyez, lui il a pris une glace que j'ai mis au frigo. Alors je vous disais, ce qui est dommage, voilà, c'est qu'elle va le mettre dans un énorme pot. Et en fait, si vous voulez le mettre dans le frigo, vous pouvez pas le mettre tel quel dans le frigo. Cet énorme pot, en fait, elle va le laisser comme ça. Et je trouve ça dommage. Donc à chaque fois, moi je fais, par exemple, je lui fais faire 14 pots. Et je mets les 14 pots dans le frigo. Je sais pas si c'est une bonne manière. Je vais laisser ce pot, on va voir si il se périme ou pas. Ah, voyez, regardez. Alice a terminé de créer un pot glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Le pot est ajouté à son inventaire. Alors ça, c'est dommage, parce que voilà, ça le met directement dans l'inventaire. Tu sais pas trop pourquoi. La fille, elle veut pas partager. On va le mettre là. Alors voyez, ça se présente comme ça. Vous avez la glace. Et là, on peut mettre la garniture. Donc, on va pas mettre des feuilles de menthe. C'est déjà assez de menthe comme ça dedans. Biscuit, chocolat, vermicelle. Hop, vous voyez, ça en a mis là. Et le nappage de la chantilly. Voilà. Donc elle va prendre une coupe hein, parce qu'elle a la faim. Et hop, en fait, votre glace, elle est directement. Vous voyez là, j'avais mis des amandes grillées, un sucre d'orge. Ça customise en fait vos glaces. Vous avez des tonnes de possibilités pour customiser vos glaces. Ah ben voilà, c'est gelé cerveau. Génial. Très bien. Tout va bien. Donc voilà. Je vais vous montrer ensuite avec elle une petite séance de yoga. Et avec lui, je vais vous montrer de la méditation. Je vais vous montrer aussi le lave-vaisselle. C'est très simple, en fait. Vous attendez que votre Sims finisse. On va se jeter tous les deux de cerveau, très bien. Voilà, donc non, tu vas pas le nettoyer. Vous faites remplir le lave-vaisselle. Et là, votre Sims va récupérer toutes les assiettes qui vont traîner et les mettre au lave-vaisselle. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. Petit gameplay du lave-vaisselle. C'est un petit détail, mais j'aime bien. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi. Alors, la tenue qu'il porte, ça c'est nouveau. La tenue qu'il a aussi, tout est nouveau. C'est tenue spéciale zen. Alors, votre Sims va méditer. Et par exemple, pour les scientifiques, voilà, il y en a un qui, vous êtes dans une carrière scientifique, il peut arriver que votre Sims, d'un coup,
ça lui fasse une idée, un déclic, il va se dire « Mon Dieu, j'ai trouvé comment créer tel prototype. » Ou un Sims normal, il va se dire « Mon Dieu, j'ai trouvé, je sais pas moi, comment améliorer ma recette de gâteau au chocolat. » Ben votre Sims, hop, il va gagner un point en cuisine, parce que en méditant, voilà. Nouveauté à la radio aussi, puisqu'on peut écouter de la New Age. Ah, c'est censé être très reposant. Par moments, ça m'angoisse. Oui, alors si votre Sims médite et devient assez haut level, en fait, dans son... Comment dire, putain, il est pas bien, dis donc. Dans sa méditation, s'il est pas mal haut placé, votre Sims peut même s'élever dans les airs, donc flotter. Bon, les autres Sims autour vont se dire « What the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» Et votre Sims pourra se TP où il veut, c'est-à-dire, je vous explique, mon Sims est là, moi j'ai envie, voilà, qu'il vienne faire sa surf et du yoga, je cliquerai ici, et au lieu d'avoir « aller ici, faire de l'exercice », il faudra « aller ici, faire de l'exercice, se téléporter ici ». Et là, votre Sims, bah, tout simplement, il se met en position de yoga, et il disparaît. Voilà, et il se TP là. Donc voici une petite séance de yoga. Alors, je vais vous emmener après dans le spa. Allez, regardez. Tandis qu'il méditait, l'idée d'une nouvelle blague hilarante a germé dans la tête de Pierre Garnier. Il a amélioré sa compétence comédie. Donc voilà, lui, il médite sur des trucs qui ne servent à rien. Mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, alors moi je trouve ça hyper relaxant de regarder son Sims, voilà. Donc elle, je sais plus quel level elle est. Elle est niveau 3, donc c'est pas énorme. On sent, regardez, dans ses jambes, elle est pas droite, vous voyez, bon. Elle sait pas faire parfaitement tout ça. Toutes les positions, parce qu'il y a énormément de positions à faire. Et en plus, vous pouvez faire des enchaînements de yoga. Par exemple, enchaînement, stimulation cérébrale. Et là, votre Sims va être inspirée, par exemple. Vous voyez, elle en chie un peu, quand même, par moment. Et bien voilà, vous pouvez faire des enchaînements yoga qui vous permettront d'améliorer quelque chose. Par exemple, votre Sims devient inspiré. C'est parfait parce que pour votre travail, il fallait être inspiré. Ben voilà, votre Sims l'a fait. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis votre Sims, ben, elle est plus reposée. Voilà, c'est chaud à tenir. Ça fait des crampes. Ce qui est plutôt pas mal aussi, je l'ai vu avec un autre Sims que j'ai créé, c'est vous faites énormément de yoga. En faisant énormément de yoga, votre Sims se muscle. C'est comme un sport. Moi, ma Sims, elle est devenue hyper musclée, même bodybuildée, quoi. Et pourtant, elle ne faisait que du yoga. Je la faisais pas courir, je la faisais pas faire voilà, des haltères, quoi, je veux dire. Donc, voili, voilou, pour les enchaînements de yoga. Moi, je préfère vous montrer. On va la faire dormir et tout. Faisons reposer nos Sims. Ah oui, la tenue aussi, pardon. Attends, pour moi, la tenue aussi est nouvelle. Hein. C'est une des tenues qu'on peut avoir dans le nouveau pack. Oui, dépêche-toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre gentiment ta douche, aussi. Pouic ! La musique, on l'entend de là-bas, quoi. C'est ouf. Tu vas manger bien un sandwich dès le matin, parce que voilà. Alors, cette Sims, c'est pas moi qui l'ai faite, mais le jeu lui a fait faire des prothèses mammaires de ouf. Les créateurs des Sims se sont éclatés sur cette Sims. Donc la tenue, c'est moi qui lui ai fait faire. Oups. Très bien. C'était la séquence émotion. Que va dire de plus, voilà. On va les emmener au spa. Ils y ont déjà été. Ah oui, la coiffure qu'elle a pour dormir aussi, c'est une des nouvelles coiffures. Au passage. La coiffure qu'elle a cette Sims, ce que je lui ai mis, c'est dans le pack Zen. Et là, la coiffure qu'a les autres Sims, c'est dans le pack cuisine. Ça, c'est difficile à différencier. Beaucoup de nouveautés, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Il y avait l'ambiance spatio que j'ai pas acheté. Voilà. Destination nature, j'ai pas acheté non plus. Il y a des trucs que j'ai pas acheté. J'avoue, j'ai pas tout acheté. Parce qu'il y a certaines choses qui m'ont pas forcément attiré. Là, le pack cuisine, en fait, je l'ai acheté. Je vous l'avoue, c'est plus pour vous. La chaîne YouTube, c'est plus pour vous montrer. Elle a des lags, là, dis donc.
Même si, petit détail que j'ai mis, départementaux, qui est dans Pagzen. Oui, c'est un détail mais très important de signaler, ou pas. Voilà, ce que je me suis dit, c'est l'été, c'est rigolo, bon, c'est bientôt la rentrée, mais faut pas le dire. Les Sims font des classes, voilà, moi je me suis dit, c'est plutôt sympa, et puis bon, pour le prix, hein, le pack est à 10€, enfin 9,99€, parce qu'ils savent pas faire des prix ronds, hein, chez Origin. Je trouve que, bon, vous allez me dire 10€ pour des meubles, pour un nouveau, enfin des glaces, un nouveau gameplay, des tenues, ça fait un peu cher. Moi je trouve pas, parce que je me dis pour ce qu'on a, en plus on a un nouvel environnement, on a le spa, donc c'est quelque chose de nouveau que je vais vous emmener, vous voir, vous allez voir, c'est vraiment... Bah j'adore. Et je me dis aussi pour faire ses propres boutiques, c'est plutôt pas mal, parce que si vous avez envie de faire un salon d'esthétique, ou alors un marchand de glace, bah vous pouvez. Et je trouve que c'est pas négligeable. Franchement. Voilà, j'accélère un peu. Moi je trouve que voilà, il y a pas mal de nouveautés, et puis je trouve ça sympa. J'ai cru qu'elle avait crié vomi. Ah si, ben vomi. Waouh. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un test de grossesse, on a tous compris qu'elle est enceinte. Alors, tu vas nettoyer tout ça, puis après tu feras pipi par-dessus. Oui, j'aime bien nettoyer sur des... Enfin, faire pipi sur des toilettes propres. Tu réveilles ta belle-sœur d'ailleurs au spa. Vous allez surkiffer. Oui, parce que les Sims n'ont pas besoin en fait, de baisser leurs pantalons. Vous voyez, il y a un trou, en fait. C'est plutôt pas mal. C'est moi où on voit un petit vent se dessiner, là. C'est juste qu'elle est ronde. Alors, nous allons aller... Non. Se déplacer avec, c'est mieux. Ouais, je peux emmener tout le quartier, quoi. On va peut-être pas déconner non plus. Marie Garnier. J'aime bien ne pas avoir les photos comme ça. Ah, ça y est, ça arrive. Et quelqu'un d'autre qui s'appelle Garnier dans l'entourage. Attends, t'as pas ta belle-sœur avec toi? Ah si, Alice. Je l'avais pas vu. Oui, t'es pas bien, mais c'est pas grave. Tu vas aller au spa, ça ira mieux. Katrina, vous verrez là-bas. Bah, c'est moi, Katrina, donc... j'ai envie de te dire... oui, heureusement qu'on se verra là-bas. Le spa, qui s'appelle l'Optimiste. Non, je déconne. C'est le terrain qui s'appelle l'Optimiste. Le spa. Je l'ai mis sur ce terrain-là, parce que je trouvais ça bien. Alors... La glace se moquait à Maya lorsqu'elle est partagée. Ah bon? Alors... Pirouette, cacahuète, excusez-moi, je m'étends. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de voir mes Sims détendus, étant donné que moi je suis hyper tendue pour l'opération. Parce que c'est les dents de sagesse. Je sais que c'est rien, mais... C'est quand même une opération, quoi, bordel. Donc, bienvenue à l'Optimiste. Alors, la Sim, ça va direct se changer. Alors, je vous montre le bâtiment de l'extérieur. Très zen. Ça, c'est une maison que j'ai fait trop zen aussi. Bref. Zen, c'est le thème. Hein. Vous arrivez par là, tac, 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 l'entrée. Donc là, c'est l'accueil. Vous avez ces jolies... cette immense fontaine. Vous pouvez boire un petit jus de fruits en papotant. Et là, vous avez pour les filles, pour les garçons, pour vous changer, pour prendre des douches, voilà. Donc là, on va la mettre... mettre une serviette. Accélère un peu. Voilà, donc c'est soit on met une serviette, soit un peignoir, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous montez à l'étage. Alors, à l'étage. Nous avons les cours de yoga.
Alors, cours de yoga, vous avez le professeur qui va être là, puis ça va vous afficher en haut. Cours de stimulation cérébrale dans 30 minutes. Donc toi tu viens, tu dis je veux faire partie du cours, tu payes et tu suis le cours. Tu te mets sur un tapis et c'est parti. Ou sinon tu peux carrément demander au prof de yoga, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un cours? Ben voilà. Par exemple, je veux un cours de je sais pas quoi. Vous avez le sauna. Vous pouvez vous détendre. Attention à ne pas rester trop longtemps parce que les Sims peuvent faire des malaises. Là ici vous avez des magnifiques bains. Vous pouvez faire un bain de boue. Ou alors, un bain aux agrumes, pétales de rose, mousse à la lavande, bain décontractant, bain de lait au miel et aux flocons d'avoine. T'as l'impression d'être une céréale à mon avis là-dedans, mais c'est plutôt pas mal. La boue par contre, ça ne vous nettoie pas, hein, votre Sims. Que les autres, ça nettoie votre Sims, la barre d'hygiène monte. On peut faire du sport, mais tout en étant zen, toujours. Là, vous avez des tables de massage. Massage suédois, sportif, tissu profond, massage de fertilité, hein, ce qui est plutôt pas mal. Eau pierre chaude ou l'aromathérapie, vous choisissez ce que vous voulez. Fleur de lotus, par exemple. Ici, c'est massage des mains et des pieds, au choix. Encore une salle de massage. Voilà, et vous pouvez déguster toujours des boissons fruitées gazeuses. Alors, je vais vous faire. Alors, on peut faire crac-crac dans le sauna, mais comme on a pris les deux filles. Je vais demander à ce monsieur de me faire un massage des mains. Allez. Là. Et elle a fait quoi en fait du coup? Elle va draguer encore. Ah ouais, c'est une allumeuse en fait. Je l'ai fait marier à mon Sims, mais j'aurais jamais dû. Bonjour, j'aimerais un massage des mains. Alors mettez-vous d'accord sur le siège en fait. Oh, Skimbo. Vanessa? Oh, Dolphus Ravuda. Mean equipped. Et toi tu vas demander un massage des pieds. Voilà. Comme ça c'est fait. Alors vos Sims peuvent apprécier les massages. Ou au contraire ne pas les apprécier. Donc ça peut les détendre comme ça peut les énerver au plus haut point. Alors, je vais me mettre comme ça, on verra mieux. Par exemple, ça fait un peu de mal. Ah, peut-être des tensions. Alors ce qui est ultra reposant, c'est les bruits que ça fait en fait. On entend les bruits de frottement, enfin le mec qui a fait les bruitages. Alors oui, la Sims apparemment elle n'apprécie pas du tout quoi, elle avait l'air assez énervée. L'autre a l'air ravi, hein, faut le dire. Ce qui me fait rire, c'est que c'est Vladimir Gotik hein, qui le fait. Il est devenu réflexologue. Voilà. Il y a des gens comme ça qui débloquent des. C'est fini. Pattes pomponnées, paumes, doigts et articulations sont en fait. Donc la Sim sera contente voilà, pendant ce petit laps de temps. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Bonjour. J'aimerais un massage. Enfin, d'aromathérapie, allez. À la fleur de lotus. Oui, c'est pas donné quand on tombe là. Ah, apparemment, elle a aimé, regardez. Massage de l'âme. Katrina n'avait pas eu les pieds aussi légers depuis longtemps. C'est cool qu'elle soit contente comme ça. Et elle, on va lui demander des tissus profonds. Par Zoé. Parce qu'on peut choisir... Des fois, on peut exiger un massage de quelqu'un en disant « Je veux cette personne-là et pas une autre. » Ça me fait vraiment rire. Elle arrive pas. Hop, changement de tenue. C'est une... Toujours en serviette. Alors, je vous laisse voir en même temps ce qui se passe là-bas. Je trouve que le gameplay est pas mal réussi. Hein. Ah, apparemment, ça se passe pas super bien là-bas. On va aller voir de son côté. Fluba Seb, Arva, Sabine Binafta. On s'en est fait rire, ça.
Et la nôtre, est-ce que ça va? Elle a l'air méga détendue. Uri Bao. Ah, elle a l'air d'aimer. T'as aimé la dose, hein, je vous dis que... Et ici, ça se passe bien? Garul. Oh, fous. Hein, Garul. Oh, venez. Décidément, elle est très tendue, apparemment. Alors, ce qui est bien, c'est que, par exemple, cette Sims ici est très colérique. Oh, oh. Putain, les yeux qu'elle a fait. Elle est très colérique, donc du coup, de l'emmener au spa, ça la détend énormément. Ah, alors? Odeur de confiance. Le parfum du lotus emplit les narines et l'esprit de confiance. Voilà, elle est très bien. Dis donc, les côtes, on les voit, là, dis donc, mademoiselle. Donc, elle se sent bien. Ah, il y a un cours de yoga. Ah, je peux pas suivre le cours de yoga pour le moment. Il faut que j'attende le prochain. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boire un petit coup en attendant. Alors, votre Tim, c'est une fois qu'il a fini son massage. Voilà, il va avoir un temps où il va réagir au massage. C'est-à-dire qu'il va descendre, puis à faire quelque chose. Voilà, donc là, elle a réagi au massage. Qu'est-ce que c'est? Profondément relaxé, vous n'avez plus aucun libre arbitre. Tout votre être respire la relaxation. Voilà, juste envie de venir parce qu'elle va bien. Voilà, elle va faire connaissance avec ta belle-sœur. Donc voilà. Parce que le cours est bientôt fini. Bon, je vous montre le cours en même temps. Alors, il y a des confirmés, des moins confirmés. On voit que le monsieur à la casquette, voilà, il a plus du mal. Alors, c'est la fin du cours, c'est le moment de relaxation. Alors, ça me fait beaucoup rire, parce que des fois, il y a des Sims qui s'endorment. Donc, on voit les Z qui sortent. Voilà, pour le moment, personne ne dort. Voilà. Il y a des Sims qui sont tellement détendus. Voilà. Est-ce que le cours est fini, s'il vous plaît? Je peux cliquer. Ça y est, c'est fini. Apparemment, ils ont l'air ravis. Demandez un cours de yoga. Canalisation d'énergie. Beno Wexa? Oh, c'est pas mal. Dizzy Wog. New Beam. Shorg. Ah, Geshla. Comme ça, je peux pas suivre le... Un bug. Non. Ça me fait rire parce que voilà, les Sims qui suivent pas le cours, ils le font dos. Est-ce que... Alors... Le cours va commencer, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. On va voir les Sims qui sont... Alors lui, carrément, quoi. Hyper souple, mon gars. Alors, il y en a qui font le pont, le petit pont. C'est-à-dire que d'un coup... dis-donc, la dame, elle a l'air vénère là-bas. Pardon. Il y en a qui sont... Enfin, certaines postures sont assez impressionnantes. Hein. Attention, on lève les jambes. Excusez-moi pour les bruits extérieurs. Hein. C'est... Je ne vis pas toute seule. Bon, on voit les gens qui en chient, quand même. Hein. Ooh. Bowzopi.
Voilà. Alors, lui, alors, il est gêné parce qu'il sait, il peut pas du tout faire cet enchaînement. Du coup, il ne fait rien. Hein. Nous, on fait comme on peut. Alors, le mec, il est même à l'avance sur le cours, quoi. Hop. Oh, Alice peut désormais proposer des astuces de relaxation mentale et faire la posture de yoga, l'arbre. Oh, vous avez vu là le petit pont? Regardez, alors lui il se penche mais littéralement tout seul. Ok, la honte. La honte les gars. Puis remonte sans pression, quoi, le truc que moi je saurais pas du tout faire. Bon, on voit qu'elle a fini. Ah oui, il va falloir qu'elle aille travailler. Personne s'endort. Tout le monde est bien, tout le monde est serein. Et voilà. Ouf. On va voir l'effet que ça lui a donné. Faut pas être pudique hein, chez les Sims quand même. Sans stimuler. On va lui prendre un bain. Allez, comme les céréales. Elle est tellement en confiance qu'elle marche comme un bonhomme quoi. Hop. Vous êtes prêts pour qu'on ressemble à une céréale? Le petit masque qui va avec. Alors là sur l'image elle a pas l'air idiot tu vois. The Mask. Bonsoir. Donc une fois qu'elle a repris son petit bain, elle ira gentiment au water. Et au water, après tu rentreras chez toi. Et oui. Et ce sera la fin de la vidéo. J'aurais fait le tour un peu de ce nouveau pack. Et toi t'es celle de la maison à travailler mais tu travailles dur. Oui, c'est de l'esclavagisme. Donc j'ai fait le tour de ce spa. J'espère que ça vous a donné envie de... Ben voilà, d'acheter ce pack. Parce que vraiment, c'est... Pour 10 euros, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Même. Tout ça, hyper bien. Vous avez énormément d'éléments de décoration. Tout ce que vous voyez là, ben, vous pouvez l'avoir. Chez vous, ce magnifique... voilà, tout ça, ce magnifique... cette magnifique fontaine, vous pouvez la faire chez vous. Elle a fait du sport n'importe où, très bien. Vraiment. Là, il y a la zone de méditation, je vous ai pas montré d'ailleurs. Avec la petite musique, la douce. Vous arrivez. Vous êtes tranquille au bilou. Je trouve ça, voilà. Moi, j'ai tout à la maison, mais... Vous voyez, un cours de yoga. Une 30 minutes. Bon, j'ai pas besoin, mais voilà. Alors moi, ça fait rire parce que j'habite là, mais il faut un chargement pour y aller. Ça, c'est dommage, hein. Ah, quoique. Ah si, ils vont quand même me demander un chargement. S'ils me demandent pas un chargement, mais je ris. Ah, un chargement, pourquoi? Ah oui, une nouvelle mise à jour aussi, les enfants. Oui, je vous appelle les enfants. Je vous ai déjà parlé, fermeture des portes. Et on peut fermer les portes et on peut faire des demi-murs. Mais je pense vous l'avoir déjà montré, ça. Mais je préfère le repréciser. Voilà ce qui était des nouveautés des Sims. Et je pense que ma Sims a mérité une bonne glace. Je sais pas vous. Mais on va prendre un cornet. Pour fêter ça. Pour fêter cette vidéo. Alors par contre, ouais, il lésine pas sur la glace quand même. Hein. Alors, la glace tient toute seule, oui. Oui, puis il mâche de la glace. Bah oui, ouais. Il lâche pas la glace, il la mâche. Puis il la pose comme ça sur la table. Et oui, parce que les Sims, c'est des subglyphes. Des toglyphes. Et oui. Donc je vous laisse sur cette image gourmande. Et même le frère l'envie, parce qu'il est obligé de se la ramener à chaque fois. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera la suite du bras de fer que j'ai fait avec Jarem. Je vais aussi filmer le nouveau bras de fer qui est en cours.
et vous faire d'autres vidéos sur League of Legends. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à m'écrire, à me dire votre impression. Voilà, vous pouvez faire comme eux. me troller et en rigoler plus tard. Hein. voilà, n'hésitez pas à toujours me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ce soit bien ou mauvais, hein, on est là pour ça. Et je vous laisse sur cette image de cerveau complètement gelé. Allez, ciao, n'oubliez pas, la vie est un jeu, alors amusez-vous.